On va d'abord il y a quelques minutes, donc Dolph Ziggler qui voulait un match pour ce soir. Et la réponse de Shane McMahon, c'est qu'il va un adversaire mystère. Mais qui ça sera? C'est une bonne question. Alors que là on se retrouve pour notre match, opposant les prétendants numéro 1 au titre par équipe. Oh, David Tag Team Champion. Mais on a un contre 1. Et ça sera donc un Scott Steiner vs Roman Reigns. Le match va commencer tout de suite. Ouf, la droite, la gauche de Roman Reigns directement. Ouf. Alors Roman, ce qui paraît, il va connaître la punition. On verra ça. Et voilà la back souplesse de Roman Reigns. Ouf. Ouais, on va avoir les managers qui pourront être partout pendant ce match. Ou le coup de pied au niveau des abdos de Roman Reigns. Et le coup d'épaule. Le second coup d'épaule. Et le coup d'avant-bras dans le dos. Par Roman Reigns. Qui est tout de suite amené au sol. Oh, l'enchaîné coup de poing un peu trop vite là. Oh, coup d'ombre dans le dos. Oh, la belle prise, celui tombé. Mais sans le low break. C'est le trolling qui vient un peu interférer. Oh, le spear. Alors que le combat continue à l'extérieur du ring. Et ben, Scott Steiner a connu les escaliers. Oh, le slam de la part de Mr. Big Papa. Man, this has been a great matchup. Roman Reigns has said he's the solution to injustice here. Le Samadob, pardon, Roman Reigns. Ouf, l'attaque Ryback en plus. Il provoque Ryback. Le spear une nouvelle fois. Ouh, la droite. Ouh, la droite sur Ryback. Roman Reigns, il cherche vraiment à se faire disqualifier ou quoi là. On va faire disqualifier Scott Steiner. Attention, Steiner drop. Lui veut au sol si tu veux. Tu veux Michael, si tu veux. Ouh, le Hellboss marche de la part de Roman Reigns. Suivi des coups de poing au niveau sur la tête. On va arrêter de dire au niveau de la tête, on va dire à la tête. Et continue en plus. L'arbitre regarde, il est content. Ouais. Ouh. Ouh, la close line de la part de Scott Steiner. Non, ils ont pas officialisé d'être une équipe à part entière. Mais pourquoi pas. Tombé. Ah, simplement. J'aimerais bien en équipe ces deux-là.
Et il est ramené sur le ring. Tombé. Mais cette Rollins c'est là pour interférer, même si Roman Reigns s'en est sorti très très vite. Ah, la palette au palais souplex de la part de Scott Steiner. Et cette Rollins qui est expulsé déjà. Donc Roman Reigns va être tout seul. Il va devoir faire son boulot, gérer Ryback, gérer Scott Steiner tout seul. Le pauvre. Le Superman Punch de la part de Roman Reigns. Oh, il l'a mis dans le coin. On sait ce qui est à partir. Regardez la tête de Roman Reigns. Regardez son regard. Et c'est parti. Pour le spear through the barricade. Spear through the barricade. Oh, la puissance. Et la destruction. Mais je crois que c'est plus Scott Steiner qui reçoit sa punition que Roman Reigns. Allez, rentre sur le ring. Ouais. Le boss mage dès que Scott Steiner est revenu sur le ring. C'est tombé. Et Ryback qui vient interférer directement pour empêcher le tombé de se faire. Et Roman Reigns qui en profite pour virer et pour mettre Scott Steiner à l'extérieur du ring. Sûrement pour le faire mal. Et à partir pour le powerbomb qui est contré par un DDT de Scott Steiner. C'est un big papa. Et le belly to belly. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Et le bad body de la part de Roman Reigns. Suivi d'un coup de poing alors que l'arbitre est déjà à 4. Ah, suivi des coups de poing, excuse-moi. Il a 5. Roman Reigns qui était balancé sur les barrières. Il remonte tous les deux. Le boss match qui n'est pas passé. Et le coup d'épaule de la part de Roman Reigns. Celui est tombé. 1. Et Ryback qui intervient. Et voilà, Ryback qui vient d'être expulsé lui aussi. À son tour, alors que Scott Steiner en profite pour planter The Apron DDT sur la tête de Roman Reigns. Oh là là, la production qui nous montre ce DDT sous plusieurs angles. Oh là 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 là, quelle puissance. Quelle plutôt destruction. Il profite pour faire des pompes. Est-ce qu'il sait au moins les faire, les pompes? Ou sa musculature? Oui, je pense que oui, c'est les faire. La droite qui n'est pas passée. Oui. Le match qui continue à sortir du ring une nouvelle fois, hein, en habitude. Voilà. Attention. Oh, Samoa Drop qui est passé. Ils reviennent tous les deux sur le ring. Superman Punch une nouvelle fois de la part de Roman Reigns. Il se met dans le coin. Il est prêt à partir. Il a fait le point au sol. Le spear de Roman Reigns. Avec la production qui nous montre un troisième replay de la soirée. De ce match. Elle est tombée. Et je crois que c'est fini. 1, 2, et 3. La victoire de Roman Reigns. Et la victoire du Shield. Au moins, ils sont chauds. Et ils montrent à cette nouvelle équipe. Bien sûr, elle vient juste de se former. L'équipe de Scott Steiner et Ryback. Ils ont pas officialisé donc une alliance. Mais je pense que ça sera une longue alliance entre ces deux équipes. Entre ces deux catcheurs. Donc on rappelle qu'Aro, Vincent pourrait peut-être aider le Shield. Et le Shield pourrait peut-être aider Vincent. Voilà. Alors que Shane McMahon pose une question très très pertinente à Sheamus de trouver un adversaire. Puisque Sheamus affrontera au Royal Rumble Dolph Ziggler. Et c'est juste pour un peu le tester, je suppose. Et donc ça sera Alberto Del Rio. Intéressant. Et le match arrive tout de suite, les amis. Dolph Ziggler va donc affronter Alberto Del Rio. Sauf que Dolph Ziggler ne le sait pas encore. Il a perdu face à Kane à WWE Superstar, si vous vous rappelez bien.
Et va-t-il essayer de prendre une vraie victoire cette fois à SmackDown? On se rappelle qu'il a perdu tous ses matchs à SmackDown depuis le début du mois. Il a perdu par disqualification, mais voilà, personne n'a gagné, on va dire. Il a perdu face à Sheamus. Il a perdu face à Kane, mais c'est un superstar. Va-t-il gagner au moins une fois? On le saura à la fin de ce match. A un hombre con un corazón de león, una leyenda, la ascensa excelencia, el orgullo de la gente, Alberto Del Río. Et voici maintenant Alberto Del Río qui est donc accompagné de Ricardo Rodriguez. Il est chaud, il a l'air chaud Alberto Del Rio. Hein. Il sait qu'il a un match face au Royal Rumble face à Undertaker, mais il a un match ce soir et il veut le gagner. Pour montrer à Undertaker qu'il peut le battre au Royal Rumble. Et voilà, le match peut enfin commencer avec un B2B d'Alberto Del Rio. Ouf. Et Mike Jerry Kingler qui vient de dire attention, ce soir Dolph Ziggler se bat ce soir et il pourrait piquer votre petit ami. Voilà, il y en a juste ça. Ouh, le leg drop à la Billy Gunn. Qui a volé. Un coup de pied. Dolph Ziggler qui envoie Del Rio dans le coin. Ouf, il fait asseoir dans le coin. Attention. Ouf. Et le piétine. Hein. Il le piétine. Le river de Del Rio. Le river de Dolph Ziggler. Le river de Del Rio. Attention, Del Rio qui envoie Dolph Ziggler dans le coin opposé. Ouf, le coup de coude qui est pas passé. Del Rio qui est mis au sol. Oh. Et le neck breaker un peu, si on peut dire. Le neck twist, plutôt, de Dolph Ziggler. Et un snap suplex de Dolph Ziggler aussi. Je regarde, d'accord. Le coup de pied dans la jambe de Del Rio. Et le face buster de Del Rio. Oh, encore un coup de pied de la part de Del Rio. Del Rio qui est envoyé dans le coin. Dolph qui se prend un coup de pied dans la tête. Attention, Del Rio qui compte. Et qui vise le bras pour préparer donc sa prise de soumission, évidemment. Hein. Attention, Dolph Ziggler qui le soulève et l'impact de la superplex. De la souplex plutôt. La superplex, c'est de la troisième corde. La superplex en plus, on dit. Et le facebuster d'Alberto Del Rio. Passe par l'arrière. Dolph qui ramène Del Rio au sol. Il le relève.
The drama. Ouh. This is electric. Et cette fois le splash qui est bien passé. Et il le traîne. Et le dropkick pour bien mettre encore derrière au sol. Une descente du coude, une deuxième descente du coude. Et une grande descente du coude de la part d'Albert, de la part de Dolph Ziggler. Oh le coup de la corde à linge, le second coup de la corde à linge. Attention. Ouh. C'est tombé, attention. 1, 2, et le dégagement d'Alberto Del Rio. Dolph qui s'ouvre plus dans les cordes. Et le backbreaker de d'Alberto. Il se passe quoi? Trou noir. Undertaker. L'Undertaker est là. Attention. Tombstone Pile Driver. Il n'y a pas de disqualification. Le zigzag. Le zigzag de Dolph Ziggler. Le tombé. 1, 2, et 3. Dolph Ziggler qui vient de remporter la victoire. Qui vient de remporter le match. Mais que vient de faire Undertaker? Qu'est-ce que Undertaker vient de faire? Il vient de planter un tombstone Alberto Del Rio en plein match. Sa petite, la petite façon d'Undertaker. Pouf, j'apparais, tombstone, pouf, je disparais. Oh mon dieu. On retrouve Six dans les backstage. Et qui se fait attaquer par Goldberg. On s'y attendait à ça, on s'y attendait. C'est pas fini. Et Goldberg qui va continuer là son agression sur Six. Ah mais là c'est là, je sais pas si Six va pouvoir venir au Royal Rumble. Je ne sais pas s'il va pouvoir accompagner Kevin Nash hein. Parce que là il va bien se faire défoncer par Goldberg. Et là Goldberg il a la vengeance dans la peau là. Là il a trouvé Six, il va le faire payer. Oh le clothesline de la part de Goldberg. Il va le détruire. Donc c'est fini là. Oh non, le Jackhammer. Le Jackhammer de Goldberg et Boxer du ring, j'allais dire. En backstage. Sur du vrai béton là. Oh oh. Six et KO pour un bon bout de temps là, je crois. Je sais pas s'il sera là, je sais pas s'il sera là au Rumble. Hein. Alors Kevin Nash, oh Goldberg maintenant qui s'attaque à Kevin Nash, il va peut-être éliminer les deux mecs. Ouais, il a réussi à s'échapper, mais malheureusement Rumble il s'échappera pas. Et tout ça on le verra dans un prochain épisode.